sont tenus à distance avec un grand fouet et ils l'ont flagellé jusqu'à ce que ses précieuses côtes sont devenues visibles dans son dos. De son côté, laissant tomber au sol en clapotant, c'était le sang de Dieu. Pourquoi crucifié Jésus la seconde fois dans ta vie, comme mon bien-aimé? N'oublie pas, mon frère, que Jésus est la parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifier Jésus de nouveau. Je le vois prendre et mettre sur son dos cette croix rude couverte de boursouflures. Je le vois qui monte la montagne de Golgotha avec la croix sur son dos endolori. N'oublie pas, mon frère, que Jésus est la parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifier Jésus de nouveau. Mais pourquoi crucifier Jésus la seconde fois? Ces jours-là, ses lèvres saignaient seulement pour tes péchés, criant au secours à la croix du calvaire. Les grands clous cruels enfoncés dans ses mains et dans ses pieds, tout cela pour toi, pour tes péchés. Mais n'oublie pas, mon frère, que Jésus ce message. Rejeter une seule parole, c'est enfoncer de nouveau les clous dans les mains de Jésus. Mais pourquoi crucifier Jésus la seconde fois? Bien-aimé, ce ne sont pas des clous qui l'ont tué, même pas la lance ou la couronne, c'est plutôt tes péchés. Regarde combien
il a souffert, abandonné, même des cieux. Et il a subi la mort ignominieuse, lui qui n'a jamais commis des péchés, mais à cause de tes péchés, il est mort. Oh, à la croix, ah, ah. Pourquoi crucifier Jésus la seconde fois dans ta vie, toi ma bien-aimée? Ben n'oublie pas que Jésus est cette parole. Faire le contraire de ce que la parole dit, c'est crucifier Jésus de nouveau. Oh, oh, oh. Pourquoi crucifier Jésus la seconde fois dans ta vie?